Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 11 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur et Christ Oyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Connaissez et marchez dans sa lumière ». Alléluia. Et le verset de Éphésiens 6, verset 11 qui dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu » afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Le pasteur Christ dit, le mot ruse dans notre verset d'ouverture est traduit en grec méthodeia, qui fait référence à la supercherie. La supercherie est principalement définie comme une fausse déclaration verbale. C'est lorsque quelque chose est dit avec l'intention d'induire en erreur et de profiter de quelqu'un dans un but précis. C'est comme ce qui arrive parfois aux infos. Nous savons qui se cache derrière cette supercherie. Ce n'est personne d'autre que le diable, que la Bible appelle le calomniateur et le diffamateur. Éphésiens 6, verset 11. Cependant, une meilleure expression que supercherie est le terme « être à l'affût ». Nous trouvons cette même expression utilisée dans Éphésiens 4, verset 14 qui dit « afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Alléluia. Voici encore méthodeia, qui signifie guetter dans le but de tromper. Le mode opératoire de Satan est basé sur la tromperie, pas de fausses déclarations. La plus grande stratégie avec laquelle il met en vigueur ce plan est la désinformation par le biais des médias. En tant que chrétien, vous ne devriez pas l'ignorer. Alléluia. Éphésiens 5, verset 6 dit que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. C'est pour cela que vous devez connaître et marcher dans la vérité de Dieu. Sa lumière. Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. En d'autres termes, lorsque vous marchez dans sa lumière, vous ne serez jamais trompé. Donnez-vous à l'étude de la parole de Dieu. Sa parole illumine votre chemin et éclaire votre cœur et votre intelligence de telle sorte que vous ne soyez jamais trompé ou dans les ténèbres. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Donc ici, le pasteur nous explique que le thème, c'est connaître et marcher dans sa lumière. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on marche dans sa lumière? Parce que nous avons un ennemi dangereux. Pas forcément dangereux dans le sens qu'il nous fait peur, mais dangereux dans le sens qu'il ne fait que nous guetter. Il ne fait que vouloir attaquer. Tout ce qu'il veut, c'est détruire. Et ici, le pasteur parle de supercherie. Lorsque le verset d'ouverture dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Lorsqu'on parle de ruses ici, il parle de supercherie. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont faites exprès pour pouvoir tromper, exprès pour pouvoir désorienter, exprès pour pouvoir détruire. Et ce sont des choses qui se demande qui il va attaquer. Qui va détruire, qui va désinformer. Alléluia. Écoutez, nous sommes sur terre, nous en tant qu'individuels, en tant que chrétiens, pas trop longtemps. Nous sommes là depuis peut-être dans d'autres mondes, nous sont 20 ans, d'autres sont 50 ans, d'autres sont 30 ans, d'autres sont 40 ans. Mais nous sommes là pas très longtemps. Mais le diable est là depuis le commencement. Donc il est là depuis, il a étudié l'homme, il a étudié plein de choses, mais il ne peut pas connaître ce que c'est que la nouvelle création que nous sommes. Il ne peut pas nous cerner. Donc, il prend toujours des ruses par la désinformation, par plein de choses, il pourrit. Si vous remarquez, lorsque vous sortez de votre maison, vous êtes bombardé par des informations, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la rue, dans la télévision, sur les pancartes. Nous sommes bombardés constamment. Et comment faire pour ne pas être perdu dans ce bombardement? Comment faire? C'est seulement marcher dans la lumière de Dieu, qui est sa parole. Sa parole est la lumière.
Chaque chrétien doit avoir des temps de l'étude biblique. La prière, c'est bien, il faut qu'on prie, on doit prier, la Bible de prier sans cesse. Mais il faudrait aussi trouver du temps pour pouvoir étudier la Bible, pouvoir la méditer, pouvoir la connaître. C'est ça qu'elle, c'est elle qui est la lumière. Nous sommes bombardés de tout part. Et sans cette lumière-là, nous ne pouvons pas vivre glorieusement. Nous ne pouvons pas vivre la vie que nous sommes destinés à vivre. Parce qu'il nous bombarde d'informations, il nous désinforme. Il veut tout ce qu'il veut, c'est changer notre manière de penser. Donc, il faudrait qu'on se catalyse sur la manière de penser de Dieu pour pouvoir penser comme Dieu. Et ça, c'est dans sa Bible. La Bible appelle la manière de la mentalité des forteresses. C'est comme ça que la Bible appelle ça, des forteresses. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, surtout les Africains, croient que c'est leurs cousins, leurs oncles, leurs ceux qui font qu'ils ne sont pas riches. C'est faux. C'est votre manière de penser que la Bible appelle forteresse. Elle est encore plus puissante que n'importe quel sorcier sur cette terre parce que c'est vous qui l'a causée. Et comme vous la causez, personne ne peut l'enlever. Vous dites que non, que peut-être que la richesse vient d'ailleurs. La richesse vient de nous. Le bonheur vient à l'intérieur, tout à l'intérieur de nous. Et nous bloquons cela par nos forteresses, par nos manières de penser, par notre manière de réagir. Et cette manière de penser la change lorsque nous étudions la Bible. Cette manière de penser change lorsque nous mettons la parole de Dieu, lorsque nous sommes dans la lumière de Dieu. Alléluia. Donc, il faudrait que nous soyons d'abord conscients de qui nous sommes et nous soyons conscients du mode opératoire de Satan. Il n'a pas changé dans sa manière de penser, d'opérer, non. Il opère toujours par ruse. Il ne vient jamais comme ça devant vous pour vous dire que non, Satan, voici, je veux vous du mal. Il va toujours mentir. Il vient par, il est le père du mensonge. Et il est un tueur à gage. Il est un tueur. Il tue pour le plaisir. Il n'a aucune pitié. Donc, il faudrait qu'on soit armé. Il faudrait qu'on soit armé. C'est pour ça que, Dieu, c'est pour ça que Paul nous a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour ne pas pouvoir tenir contre les ruses du diable. Parce que les ruses du diable ne sont pas, ce sont des ruses. C'est pas ouvertement affirmé comme quoi c'est venu pour vous détruire. Non. Ce sont des ruses, ça vient de manière subtile. Il peut venir de plusieurs manières. Il peut vous. C'est-à-dire que son rôle, c'est de pouvoir vous enlever votre joie, votre paix. Donc, il vient de partout. Il vous bombarde de partout. Donc, sachez reconnaître ces ruses. Et il vous bombarde où ça? Dans vos pensées aussi sur vous. Souvent, ce sont les événements, ce sont les problèmes qui font. Mais la plupart du temps, c'est dans nos pensées qu'il nous bombarde. Et pour ne pas être bombardé, mais pour ne pas pour pouvoir protéger son cœur ou ses pensées, c'est simple, la parole de Dieu. Lorsqu'il vous dit par exemple que oh non, tu ne peux rien de bien, tu n'as rien, tu lui dis que non, la parole de Dieu me dit que je suis plus que vainqueur, que je peux tout faire par Christ qui habite en moi. La parole de Dieu vous lui donne le contraire de ce que il dit et vos pensées commencent à changer. Et comme ça, vous commencez à épouser maintenant la mentalité de Dieu, vous commencez à penser comme Dieu et c'est fini. Votre vie change. Alléluia. C'est la pensée d'abord, la mentalité qui est d'abord plus importante que toute chose. Donc, frères et sœurs, pensons à changer la manière de penser, qui est une forteresse, afin de pouvoir vivre une vie victorieuse. Parce que Satan a un pouvoir, c'est vrai, mais le pouvoir que nous avons est encore plus fort que lui. Nous avons le pouvoir du nom de Jésus qui règne sur Satan et sur tout son royaume. Et rien ne peut nous nuire. Alléluia. Donc, soyons conscients de cela et sachons aussi qu'on a un ennemi qui est là-bas, qui est dehors, qui ne fait que nous guetter, qui a tout le temps d'utiliser des ruses pour nous détruire. Alléluia. Soyons fermes. Soyons fermes. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes au-delà de lui. Nous sommes au-dessus de lui. Quel que soit le pouvoir qu'il a, il est dangereux. Il fait beaucoup de bruit, c'est vrai. Mais comme le frère dit, il est comme un cheval qu'on a blessé, qui est en train de mourir, mais qui fait beaucoup de bruit avant de partir. Il est en train de mourir. C'est-à-dire qu'il a été déchu. Il a été humilié par Christ. Donc, il fait beaucoup de bruit pour rien. Sinon, il est mort déjà. C'est-à-dire qu'il est déjà, il a été déjà né, il a été déjà vaincu. Donc, n'ayez pas peur de lui. Affirmez qui vous êtes. Et puis, prenez autorité. Et soyez surtout dans la parole de Dieu. Tous les jours, dans la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. On va faire la prière. Cher Père, merci pour les instructions de ta parole. Je suis fermement enraciné et fondé dans ta parole et guidé par ta vérité en Christ Jésus. Je vis au-dessus de Satan, de ses tromperies et de ses manipulations. Alléluia. Frères en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.